Il est interdit donc de filmer et de faire la preuve publiquement de la violence organisée préméditée de l'État, sous peine de ne pas pouvoir bénéficier d'une clémence juridique normale pour une infraction réputée désormais majeure. En effet, les remises de peine pour ces délinquants-là ne sont plus... Il n'y en a pas. Voilà. Cela veut dire que les pouvoirs de la police privée seraient quasiment les mêmes par délégation que ceux de la police nationale, et ce bientôt de la police municipale. Ces dispositions ouvriraient ainsi la voie à ce que l'on pourra appeler demain la création de véritables milices privées mercenaires, car pour justifier de son existence, il faut faire du chiffre. Camarades, on nous parle aujourd'hui de possible troisième vague de la Covid-19 au printemps. Et nous savons que l'état d'urgence sanitaire se poursuit jusqu'en fin février 2021. Ce gouvernement aux abois ne serait-il pas en train de nous préparer la prolongation ad libitum? Déjà, on nous parle de la perspective, lors des élections régionales, de vote par correspondance ou de vote électronique, pour singer le grand frère américain ou pour nous tenir confinés et sous couvre-feu. Camarades, état d'urgence et loi sur la sécurité globale n'ont qu'un seul et même but, museler la population pour faire passer ces contre-réformes que le capital exige. La loi LPPR, qui s'en prend au droit aux études et à la recherche de l'université, permettrait désormais de condamner à des amendes, fortes amendes, et de la prison les étudiants et personnels mobilisés dans le hall ou les locaux des facultés. C'est, depuis le Moyen-Âge, c'est une nouvelle disposition qui n'existait pas depuis le Moyen-Âge. Des professeurs et des lycéens sont sanctionnés, réprimés, car ils contestent la réforme du bac qui va davantage aggraver les inégalités et casser l'ascenseur social. Cette dérive autoritaire que nous condamnons est dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme, les rédactions des journaux de toutes opinions, les syndicats de journalistes ou d'avocats, même la défenseur des droits. Et aujourd'hui, dans toute la France, il y a des manifestations comme ici contre la loi de sécurité globale, mais aussi contre le chômage et la précarité partout en France. Et cet après-midi à Bordeaux, il y a une manifestation à partir de 15h à la Victoire, appelée par plus d'une vingtaine d'associations contre le chômage, la précarité, pour une protection sociale à la hauteur. Donc je vous invite à rejoindre cette manifestation cet après-midi. Alors lorsque, comme aujourd'hui, les forces populaires se fédèrent, elles redonnent également à nos communes leur dimension démocratique et citoyenne. Et en tant que Réolaise, je suis vraiment fière que les Réolais soient accueillis et puissent aujourd'hui se mobiliser et exprimer leur démocratie, leur citoyenneté. Donc merci vraiment aux Gilets jaunes de Saint-Macaire pour ça, vraiment, et à toutes les organisations syndicales qui permettent ça aujourd'hui à la Réole. Et effectivement, je pense que c'est comme ça qu'on redonnera aussi l'envie aux citoyens de s'impliquer et de militer. Face à cette crise sociale et au chômage, nous devons exiger le partage des richesses. Face à la crise démocratique et à la dérive totalitaire de cette 5e République, voilà, Nous devons convoquer une assemblée constituante pour une 6e République ou pour une première démocratie, dont le RIC sera l'outil de référence au service du peuple. Nous croyons fortement aux assemblées citoyennes. Nous avons pu, les STACA, y participer au sein du collectif des Gilets jaunes. Et nous pensons que c'est aussi par là que la démocratie reprendra toute sa place dans notre pays. Face à la crise économique, nous devons restaurer nos services publics, préserver nos biens communs et sortir des traités européens. Face à la grande régression, nous devons choisir le chemin du progrès humain. Et face à la grande répression dont nous sommes victimes et dont nombre sont victimes, nous devons avancer main dans la main, coûte que coûte, contre toutes ces lois liberticides. Voilà, ensemble, je pense que nous pensons que nous sommes plus forts et que nous pourrons y arriver. Merci à tous. Ceux qui se mobilisent et ne veulent pas de cette évolution doivent comprendre le lien qu'il y a entre ces violences et la société d'exploitation
On ne se débarrasse pas du racisme et des violences policières sans remettre en cause le fondement capitaliste de l'ordre social. Couvrir les exactions et les laisser impunis, répéter leur confiance dans l'institution policière, tous les gouvernements le font, gauche et droite confondus, de Sarkozy à Valls, d'Hortefeux à Castaner, tous les ministres de l'Intérieur ont posé au premier flic de France. Aujourd'hui encore, ils veulent faire croire qu'il ne s'agirait que de quelques brebis galeuses. Il faut plutôt parler d'un troupeau contaminé. Autant dire qu'il ne faut pas compter sur le pouvoir pour dénoncer ou combattre les violences policières. Les gouvernements ont trop besoin de la police pour prendre le risque de la critiquer et de l'affaiblir. Elle est leur dernier recours pour imposer une politique anti-ouvrière et faire accepter un ordre social injuste et inégalitaire. Sa raison d'être est d'imposer que les exploités, les pauvres, les oubliés restent à leur place. Le pouvoir entasse les lois sécuritaires au prétexte de lutter contre la délinquance, les trafics ou le terrorisme, mais aussi et surtout pour réprimer les contestations sociales comme celle des Gilets jaunes. Bon. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Antonin et j'ai 14 ans. Alors je sais, ça se voit pas beaucoup. Donc aujourd'hui je vais parler en tant que jeune et je vais vous donner mon avis en tant que jeune sur la loi de sécurité globale. Donc tout d'abord j'aimerais rappeler un principe fondamental de la République. C'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et pour moi, rien que l'article 24. Elle ne colle pas du tout avec ce principe-là, surtout pour le peuple. Et je trouve aussi que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, signée en 1789, certains articles vont complètement à l'encontre de cette loi. Et donc voilà, je trouve que c'est juste... ça colle pas, quoi. Ben, soyez là tous les samedis. On va essayer de remettre en place des assemblées citoyennes, essayer de retrouver des locaux pour restructurer tout ça, parce que le Covid, hein, ça nous a quand même bien laminé. Très très belle manœuvre. Je dois dire que là, je leur dis bravo, parce que c'était bien joué le truc, quoi. Il est bien pourri, quoi. Hein, surtout quand on vient nous dire, si vous ne faites pas vacciner, vous vous enfermez vous-même. Ça, c'est bien pourri, je trouve, quoi. Bon. Je vois le dégât que ça fait auprès des personnes plus âgées que moi, autour de moi, dans les villages, tout ça, c'est terrible, on n'arrive même plus à se parler. Terrible, terrible. Voilà. Donc soyez là, soyez avec nous, suivez-nous et nous, on vous suivra, il n'y a pas de problème. Tout d'ailleurs, on ne lâchera pas la terre. On ne va pas lâcher, on ne lâchera jamais. Voilà, je vous souhaite un bon week-end.